une radio, des tubes, respirez. Vous êtes dans les années Disco Funk avec Willy sur RTVFM. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des années Disco Funk. Toujours autant de plaisir à vous retrouver en direct tous les 15 jours. Comme d'hab, je n'oublie pas de remercier les fidèles de l'émission ainsi que les commerçants de Carpentras et d'ailleurs pour notre écoute dans leur magasin. Où que vous soyez, en DAB+, à Carpentras, dans le Vaucluse ou bien plus loin sur le www.rtvfm.net. Où que vous soyez, vous écoutez l'émission en direct de nos studios de Serres, à Meaux de Carpentras pour ceux qui ne connaissent pas le Vaucluse. N'oubliez pas, si vous voulez savoir quelque chose sur l'émission ou sur un titre en particulier, je vous attends sur willy@rtbfm.net. Je répondrai à tout et à tous, c'est promis. Je vous donne le menu d'aujourd'hui. Sophie, Elise Baxter, Steve Harvey, Céron, Bobby Mardis, Narada Michael Walden, Eloise Whittaker, German Stewart, une pépite de France Jolie, vous découvrirez ça tout à l'heure, Bonnie M, et en finale, le tout dernier Céron, de quoi bien faire chauffer les baskets. Allez, c'est presque parti, assez parlé, la musique c'est ce que vous attendez, elle arrive. En 1979, Sheila et Bee Devotion vous faisaient danser avec son titre disco Spacer. Quelques années plus tard, en 2020 exactement, Sophie Ellis Bextor le reprend et se permet même de changer le titre. Sophie Ellis Bextor donc avec Crying at the Discotheque, c'était en 2020. Maintenant, une nouvelle heure de souvenirs débarque sur votre radio. Les années Disco Funk sur RTVFM avec Willy.
J'espère que vous l'avez apprécié, cette petite reprise de Spacer. À suivre, la version chantée de Mon Indicatif, un chanteur britannique qui ne sortira qu'un album, comme beaucoup dans les années 80. C'est ce qui faisait aussi la diversité de ces années 80, justement. Steve Harvey avec Something Special en 1983. Les années Disco Funk avec Willy sur RTVFM. Something special.
Supernature est le troisième album de Cérone et il s'agit de son album le plus célèbre dans le monde, rien que ça quand même. L'histoire raconte un futur où l'utilisation de produits chimiques dans l'agriculture a créé des monstres qui cherchent alors à se venger de la race humaine. Déjà en 1977, Cérone donc, comme annoncé avec Supernature, un petit remix pas mal du tout, mais l'original était de 1977. Les années Disco Funk avec Willy sur RTVFM. We'll be right back.
Encore un chanteur américain éphémère, un seul titre et quatre versions pour ce même titre. C'était tellement facile. Et pratiquement aucune info sur lui, un peu normal. Reste que le titre n'est pas mal du tout. Je vous l'offre, si vous ne connaissez pas, eh bien découvrez Bobby Mardis avec Keep On 1985. Keep on, keep on, sending chills down my spine. Les années disco funk sur RTV FM. Keep on doing what you're doing, girl, what you're doing, baby.
Chanteur suivant est un musicien multi-instrumentiste américain, pianiste, batteur, chanteur, compositeur et producteur de musique, ce qui est déjà pas mal à son actif. Il y tient beaucoup, il est de nationalité indienne-américaine. Je vous propose un de ses plus gros cartons de la fin des années 80. Le monsieur, c'est Narada Michael Walden avec Divine Emotions 1988. Une radio, des tubes, respirez. Vous êtes dans les années disco funk avec Willy sur RTV FM. 100% plaisir. Drives me wild. Hey, why do you stop? How come for me?
Sur le net, on dit d'elle « One Album Disco Singer » en français. Chanteuse d'un seul album disco, rien d'étonnant dans les années 80. Énormément d'artistes faisaient un simple aller-retour dans le showbiz. Mais à l'écoute de ce titre, je me dis que c'est quand même bien dommage. On sait tout de même qu'elle était américaine, ça, pas de souci. Héloïse Whittaker avec « Don't Turn Your Back on Love » 1982. Vous êtes dans les années Disco Funk avec Willy sur RTVFM. À Avignon, en DAB+.
Artiste américain, Jermaine Stewart était ouvertement gay. Dans ses années 70, cela ne passait pas très bien du tout. Il est mort d'un cancer du foie lié au sida le 17 mars 97 à l'âge de 39 ans à peine. Mais il laisse tout de même 5 super albums. Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off, 1985. 100% plaisir. Les années disco funk sur RTV FM avec Willy.
Elle est née à Montréal en 1963 et donc une chanteuse de disco québécoise. Elle a connu une série de succès à la fin des années 70 et au début des années 80. Giorgio Moroder est même le producteur exécutif du premier album Come To Me en 1979. Très étonnant, je vous offre la version espagnole, mais oui, de son gros tube Gonna Get Over You, dégusté et surtout dansé. C'est le même titre mais en espagnol. France Jolie de Olivadere, 1982. Vous êtes dans les années Disco Funk sur RTV FM. Ya verás, ya verás.
En 1976, en pleine ascension, le groupe antillais reprend ce tube de 1963, signé Bobby Ebb, un musicien afro-américain. Et comme souvent, la reprise a un succès dingue immédiatement. Pour la petite histoire, Bobby Farrell, le danseur, rappelez-vous, n'a jamais chanté dans le groupe. C'est la voix de Frank Farian, créateur et producteur allemand du groupe. Je vous offre un excellent remix de ce titre, remis au goût du jour, le groupe Boney M. avec Sony 1976 et remixé en 2021 tout près de chez nous. Les années disco funk avec Willy sur RTV FM. We'll
Le dernier titre arrive, mais oui déjà, faites une petite croix sur vos calendriers, je vous retourne en 15 jours à 18h, même endroit, même micro. Si vous n'avez pu écouter l'émission en entier ou pas du tout, vous la retrouverez en podcast sur notre site www.rtfm.net et cerise sur le gâteau en rediffusion mercredi à 13h et dimanche à 19h. Aucune excuse donc pour ne pas l'écouter cette fois. On termine par Céron qui a remis le couvert en 2012, dernier Céron en date donc, mais il n'est pas tout seul. Il va vous présenter lui-même d'ailleurs la voix du titre. Encore quelques secondes de patience. Céron est en featuring, ce qu'il va vous dire lui-même. Good Times, I'm in Love en 2012. Au revoir messieurs, bisous mesdames. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Ciao, ciao. Et j'appelle Adjana, vous allez voir, en plus physiquement, elle est largement à l'égal de sa voix. Voilà Adjana. Et ce que je veux vous dire en plus, c'est sa première scène. Et démarrer la première scène à Montreux, c'est quand même pas mal. Alors vous l'encouragez. Avec Willy sur RTVFM. Good times is your love, baby. How good is your love? Oh, how I love you, baby. Oh,